La nuit est pleine de dangers. C'est le moment idéal pour les voleurs de pénétrer dans votre maison. Que cherchent-ils? Waouh! Regarde cette valise pleine d'argent! You. Juste ce que je recherchais! Hein? Pourquoi tu me laisses pas dormir? Un voleur? Écoute ici, ma chérie. Que se passe-t-il ici? Tu penses tu vas où? T'inquiète, je vais te faire cracher la réponse. Non, non, ne me tabasse pas. J'ai une proposition pour vous. Vous voulez tous ces billets pour vous-même? Alors participons à un nouveau défi. Celui qui se libère le premier obtient l'argent. Veuillez vous asseoir. Tout ça est plutôt très suspect. Maintenant, je vais vous attacher avec cette bande coulante. Voilà. En fait, je pense que je vais juste partir. Bon, ce plan ne m'a vraiment pas fonctionné. Maintenant, nous sommes tous dans le même bateau. Mince, cette bande est solide. Mais ça va, j'ai réussi à glisser mon bras. Et maintenant, je peux me libérer facilement. Becky, il est presque libéré. Qu'est-ce que c'est? Oh, une barrette. Je sais comment faire perdre ce voleur. J'ai juste besoin d'atteindre ma cible. Ouf! Chapeau, moi! Je suis sûre que ce bord tranchant peut couper le ruban. Oui! Tout le monde a réussi sauf moi! Ne t'inquiète pas, c'est pas le dernier tour dans ce défi. C'est mon tour de vous emballer. Ce ruban de police est exactement ce dont nous avons besoin pour ce tour. Et calme-toi, tu dois vraiment le serrer aussi fort? Ne l'écoute pas. Maintenant, empêtre mes bras. C'est parfait, Molly. Arrête de parler dans ta barbe absente, monsieur. C'est parti. Waouh, c'est vraiment serré. Mais il doit y avoir une issue. Oh, ma règle. Oups, où tu t'envoles? Quelle prise parfaite. Merci pour ton aide, ma copine. Avec ce petit outil, je n'aurai aucun problème. Et maintenant, je le passe à toi. Encore une fois, vous en sortez avec vos astuces malines. C'est pas juste. Tout est juste dans l'amour et les défis. C'est parti, nous sommes toutes les deux en liberté. Quelle fille sournoise! Pas sournoise, juste intelligente. Et pour nous soutenir, vous pouvez cliquer sur ce bouton « J'aime » et nous écrire quelques compliments ci-dessous. Très bien, cette fois je vais vous battre toutes les deux et ce fils super solide va m'aider. Maintenant vous pourrez pas sortir de vos cages, c'est complètement impossible. Je peux bouger à peine. Nos bras et nos jambes. Personne n'a dit que ça serait facile. Je suis prêt à faire ça. Il faut juste besoin d'étirer un peu le tuyau. Je n'arrive pas du tout. Le nœud est trop fort. Même chose pour moi. Ça tourne mal. Oh, il est déjà sorti. Nous devons l'arrêter. Attaque. Oh, ça fait mal. D'où vient ce bruit sourd? Ah, de vos têtes vides qui rebondissent l'une contre l'autre? Ah, je l'ai deviné de suite. En fait, on plaisantait. Ce n'est pas sérieux. Peut-être vous pourriez nous défiler? Ça serait sympa. Comme tu veux. Quoi, même pas un merci?
Merci. Nous vous sommes tellement reconnaissantes pour votre gentillesse, monsieur le voleur. Youhou. Jetez un regard sur cette longue chaîne, les filles. Vous n'échapperez pas à ça. Oh, ça devient effrayant. Presque terminé. Et une serrure pour la touche finale. Maintenant, pour vous, Miss. Aide-moi. Trop tard pour demander pitié. Je vais mettre à l'aise et nous pouvons commencer. Qu'est-ce que je vois? Malima l'ongle. Si je peux l'attraper, je pourrai scier la chaîne. Biki, psst, Biki, écoute-moi. Je comprends rien. Une lime à ongles, ça sert à quoi quand tu es emprisonnée? Tu veux vraiment t'occuper de tes ongles tout de suite? Ce n'est pas le meilleur moment pour ça. Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Une lime peut être utilisée pour le sillage. Tu es une génie. Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? On y sont presque. Venez ici. Hein? Oh. Waouh! C'est quoi ce nouveau plan malin qu'ils ont mis en place? Ça a marché! Ok, je vais te sortir. Libre comme des oiseaux. Oh. Oh, allez. Arrête de lutter. Nous sommes juste inabattables. Oh, Rachel était proche d'une catastrophe. Voilà que la porte est ouverte et la voie est libre. Elle peut enfin donner libre cours à ses besoins. Le jeu de mots en peut durer, tu penses? Dans tous les cas, celui qui était ici avant elle est terriblement méchant. Il n'y a pas de rouleau à dérouler. Elle se promène dans la cuisine en cherchant un petit truc à grignoter. Mais les étagères sont à court. Il est temps de courir au supermarché. Et puis, il y a Jessica qui veut aller courir dans le parc. Toutes les trois ont besoin d'un masque pour sortir, mais il en reste plus qu'un seul. Qui va l'obtenir? No. Toutes les trois sont au bord d'un gros dispute pour s'approprier le masque. Hey. Mais stop! Pas besoin de vous disputer. En chalet, je vais régler tout ça. Les filles sont tenues en haleine. On ne sait jamais à quoi attendre de ces challenges. Alors, qu'est-ce qu'elles auront cette fois? Eh bien, c'est plutôt inattendu. La tâche est suivante. Celui qui dessine le mieux obtient le masque. Ça va être une bataille artistique pour mettre fin à toutes les batailles. Faites vite, mesdames. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui va revendiquer la victoire. Mais en clin d'œil, les choses se révèlent et encore plus surprenantes. Qui a dit que ça va être facile? Dessiner avec précision est à peu près 10 fois plus difficile quand vous devez éviter les objets volants en même temps. Cela nécessite une combinaison de compétences artistiques et d'agilité. Le temps est écoulé. Elle et Rachel sont pleinement conscientes qu'elles n'ont pas été à la hauteur aujourd'hui. Mais Jess est la gagnante. Hey. Félicitations, hein? Tu as gagné ce masque en toute honnêteté. Porte-le avec fierté. Mais cela ne veut pas dire que les deux autres vont rester les mains vides pour le reste du challenge. Ok, alors qu'est-ce qui peut être mieux qu'un masque? Notre trio est impatient de le découvrir, c'est sûr. Tada! Du gel hydroalcoolique. On ne peut jamais en avoir assez. Le temps presse. Les filles sont à fond dans ce défi et donnent tout le meilleur d'elles-mêmes. Mais soudain, d'obstacle inattendu surgit. Quelqu'un a oublié un ventilateur super puissant ici. Mesdames, fermez vos écouteuils et accrochez-vous à vos chaises. Jess a été complètement rejeté de la course. Mais il se bat pour retourner à sa place. Une telle préservance! Malheureusement, elle est un peu trop tard. C'est le moment de choisir le gagnant. Désolée, Jess. Désolée. Oh, Rachel, regardez, c'est un joli dessin. Allez, prends cette bouteille et désinfecte-toi les mains. Juste pour être sûr d'être protégée. Tout le monde
et juste terriblement heureux pour elle, n'est-ce pas? Non? Ça vous dit de vous concentrer? On a un défi à accomplir ici. À ce tour, les filles vont essayer de gagner les lunettes de sécurité. Chacun de nous aimerait bien en avoir une paire au cas où. Pour rendre les choses plus intéressantes, elles devront dessiner un accessoire de protection les yeux fermés pour un bandeau. C'est vrai, vous devrez compter seulement sur le toucher. Les secondes passent, allez-y, dessinez. Nos filles ont du mal même à trouver le papier et le stylo. Ils ont encore plus à comprendre où est le haut et où est le bas. Commencez par trouver un point de repère. Rachel semble se débrouiller bien, mais Jess est complètement perdue. J'ai peur qu'elle n'ait aucune chance. À moins qu'elle ne triche quand elle est totalement désespérée. Oh oh, elle a été prise en flagrant délit. Jess est disqualifiée pour ce tour. Ça montre tout simplement que la triche vous ne mènera nulle part. N'essayez même pas de trouver des excuses, Jess. Regardons plutôt ce que les deux autres ont réussi à dessiner. Jess, garde ton calme et attends tranquillement s'il te plaît. Rachel est clairement la gagnante. Essaie tes lunettes pour voir s'ils sont de bonne taille. Wow, elles y vont très bien. Et maintenant, on a compris une chose que tout le monde a sur leur liste de souhaits. Des gants. On peut aller nulle part sans cet accessoire. Les filles sont concentrées à fond, ça vaut la peine de se battre. Essayez de les rendre aussi réalistes que possible, vos trois. Imaginez que vous êtes des destinateurs de renommée mondiale. Cette compétition est féroce. Même s'il est clair que certains ont plus de talent que d'autres. Alors, un autre obstacle est introduit. Un oignon. Oh, c'est horrible. Il va brouiller la vision de tout le monde. Les filles versent des larmes de crocodile sans qu'elles puissent se contrôler. Mais Rachel est en sécurité. Heureusement qu'elle a ses lunettes. Les deux autres ont la tête des gens qui ont regardé un film d'amour tragique. Comment sont-elles capables de dessiner malgré tout? Très bien, stylo sur la table. Ce tour est terminé, alors montrez-vous vos œuvres. Allez, a fait un effort à travers ses larmes pour remporter un autre prix. Impressionnant. Ma poutine, essuie les larmes de ton visage et récupère les gants. Ils sont à toi. Jess et Rachel peuvent bouder autant qu'elles veulent. Cela ne changera rien. Allez, montre-nous avec quoi on va travailler cette fois-ci. Pour l'instant, personne ne l'a moindre idée ce que c'est. Aucune idée du tout? Cela ressemble à un morceau de tissu géant. Commencez peut-être à le déplier et ça va être plus facile à comprendre. Sans doute, c'est quelque chose de très bien et très utile. Oh, c'est une combinaison de protection! Waouh! Mais pour le moment, elle n'appartient à personne d'entre vous. Il faut se battre pour l'avoir. Ok, vous avez l'image en tête à quoi ça ressemble? Deux bras, deux jambes, une capuche. Oh, n'oubliez pas la fermeture éclair. Si vous pensiez que ça serait trop facile, vous vous trompez. Des effrayantes araignées envahissent la table, en compagnie des serpents et des grenouilles en plus. Ils sont juste horribles, tous ces trucs-là, burk. Peut-on passer au choix du meilleur des ça alors? Toutes les trois sont vraiment surpassées. Ok, pas Ellie. Peut-être Rachel ou Jess? Non, c'est Rachel qui est désignée vainqueur. Et sa tenue est d'un blanc pur. Elle se sent sûrement en sécurité maintenant. Donc là, les filles, pour un tour bien gagné. Qu'est-ce qui se cache sous ce couvercle? Sans quoi d'autre ne pouvons-nous pas vivre en ce moment? Ouvre-le. Waouh, qu'est-ce que ça? Vaut mieux ne pas y toucher. On dirait... il n'y a pas moyen, n'est-ce pas? Eh bien, le défi exige que notre trio le dessine. Alors, prêt de partir. Nos copines mettent leur peur de côté et se mettent au travail. Je dirais même que leurs talents ont grandi tout au long de cette compétition. Ce sont des petites artistes naissantes.
voyons qui sera nommé le meilleur dessinateur de tous les temps. C'est Ellie. Félicitations, probablement. Les mains de Ellie tremblent énormément alors qu'elle attrape cet objet et Jess et Rachel sont en panique. Ellie est hyper courageuse, mais peut-être aussi un peu gênée par son inquiétude au départ. Ce n'est qu'en jouer après tout. Tout le monde inspire et expire profondément. C'est un énorme défi et leur travail acharné a porté ses fruits. As-tu aimé notre dernier challenge? Eh bien, voici le bêtisier comme un cadeau en plus. Abonne-toi à notre chaîne et partage cette vidéo avec tes amis. À plus, peluche!